Oui, vous savez, Patricia, le règlement européen est clair. Tout vol annulé doit entraîner un remboursement. Seulement, voilà, on l'a vu, certaines compagnies aériennes sont en difficulté ou au bord de la faillite, d'où la démarche d'une douzaine d'États européens, dont la France, qui vise à étaler ses remboursements dans le temps. Les compagnies pourraient donc privilégier des vouchers, des bons d'achat, pour une durée assez longue et au final. Si le consommateur ne s'en servait pas, eh bien, il serait enfin remboursé. Hors de question, affirme le Parlement européen, c'est d'abord aux passagers de choisir un report ou un remboursement en cash. Le consommateur n'est pas le banquier des compagnies aériennes, m'a confié une eurodéputée cet après-midi, d'autant que certaines de ces compagnies implorent de leurs États des aides massives. De leurs États et des gouvernements, sans contrepartie manifeste sur le plan environnemental. Bref, entre les députés européens et certains États, le bras de fer a commencé et c'est la Commission européenne qui devra arbitrer et trancher. Voilà, et on suivra ça avec vous à Bruxelles. Merci beaucoup, Pascal.